On a chaud pendant 3 jours de suite. 3 jours non-stop. En vacances, quand on n'a pas de soucis. Par contre, dans les périodes où nous avons le plus de soucis, c'est la dernière des choses qu'on veut entendre parler. Salut. Bonjour. Ça va? Bien, merci, vous-même. Bien, merci. T'es en couple ou célibataire? Je suis paxé. Waouh, félicitations, donc marié. Oui, bientôt oui. Alors, qui a abordé l'autre en premier? C'était un hasard. J'ai un ami qui avait rendez-vous avec mon compagnon et il n'a pas pu venir, mais c'était un rendez-vous entre amis. Et il m'a demandé de venir à sa place pour lui dire, à l'époque, il n'existait pas de Natel, c'était un Natel. Pas tout le monde avait un Natel. Un téléphone, pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur, et avec lequel vous pourrez appeler partout. Donc, je suis venu le voir, boire un café, il dit qu'il ne peut pas venir. Et ça a commencé de là. La vie fait bien les choses. C'était à l'époque du Titanic. Mais ça n'a pas coulé mon bateau. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Est-ce que tu as un conseil à nous donner, le plus important dans un couple? Par rapport à moi, ça fait 24 ans que nous sommes ensemble, je crois. Je ne sais pas, 25, 24 ans. Nous nous sommes dit jamais de mensonge. Et c'était ça la priorité. Je crois que ça a fonctionné. C'est beau, ah bah oui, 24 ans, je crois que ça fonctionne. Les trucs que tu détestes dans un couple, ce qui peut te repousser? Dans un couple ou chez quelqu'un plutôt? Chez quelqu'un, qu'est-ce qui te repousse chez quelqu'un? À partir d'un moment, ça devient cycle. C'est 7 ans, 4 ans, 3 ans. On change. Parfois, c'était moi qui étais insupportable et parfois, c'était l'autre. Je reconnais que j'ai eu des périodes que je n'étais pas favorable à être à côté de quelqu'un, mais il m'a supporté, il a été à mes côtés. Je suis reconnaissant. Et parfois, c'est lui qui est insupportable et moi, je dois tenir. Et en ce moment, c'est qui? Oh, dites, ne me demandez pas de balancer, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas. En ce moment... C'est fini maintenant, non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a toujours... tous les jours, il y a des hauts et des bas. Par contre, nous essayons de vivre ensemble. On sait qu'on ne va pas se séparer par n'importe quoi. Par une bêtise qui arrive ou quoi qu'on dise. Ce n'est pas ça qui va nous casser. Mais je crois que je suis plutôt très soudé. Et comment est-ce que tu aimerais qu'il réagisse si son ex lui téléphonait au milieu de la nuit? C'est déjà arrivé au départ. Moi, j'ai dit tu dois choisir. Parce que tu ne peux pas vivre un triangle amoureux si tu es sincère. Par contre, certaines personnes peuvent. Moi, je ne peux pas. Et ils peuvent être amis ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend de l'autre. Qu'est-ce qu'il attend comme l'amitié? Si c'est pour agacer 3 fois par semaine, non. Mais si c'est une amitié sincère qui... de boire un café, parler, se faire conseiller ou quoi que ce soit pour un aide, tout ça, oui, mais pour nous agacer, non. Le nombre idéal de rapports sexuels par semaine? Avec le temps, c'est compliqué parce que on change. Il nous arrive de ne pas vouloir pendant 4-5 jours, mais il nous arrive qu'on échoue pendant 3 jours de suite. 3 jours non-stop? En vacances, quand on n'a pas de soucis. Par contre, dans les périodes où nous avons le plus de soucis, c'est la dernière des choses qu'on veut entendre parler. Bon, c'est très joli. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle histoire d'amour. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous tous d'excellentes rencontres. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. J'espère que j'ai pu aider quelque part. Obrigado.